Des jeunes de la commune de Ngiringiri ont un centre de judo inauguré dimanche dernier. Ces bijoux de la fondation Tatete Van Center répond à un besoin d'encadrement des jeunes qui, par oisiveté, versent dans la délinquance. Ce n'est pas tout pour l'initiateur. Ce centre devrait faire sortir des champions de judo et la fierté dépassera alors la simple commune, la capitale ou encore les pays. Occasion pour l'initiateur de demander au gouvernement congolais de subvention. Ngiringiri, commune du sud de la ville de Kinshasa, un coin dont le peuplement est impressionnant, a un nouveau centre de judo. C'est dans l'enceinte de l'EP1 Ngiringiri, sur l'avenue Ngiringiri, dont la commune porte le même nom, que le président de la fondation Tatete Van Center a inauguré le judo club TVC Médical. Dans un contexte où la délinquance juvénile prend de l'ampleur, le meilleur encadrement des jeunes est le remède efficace. La jeunesse a besoin d'un encadrement, credo de Dr Benjamin Tatete, dont la fondation accompagne l'État. Un centre de judo, c'est avant tout d'abord éduquer des jeunes qui ne restent pas dans la rue, qui puissent profiter de l'expertise et de l'encadrement de la fondation TVC Médical avec le peu qu'on a, espérons qu'un jour on aura une subvention. En tant que fondation TVC Médical, nous avons besoin que l'État puissent nous subventionner, pas seulement en nous donnant de l'argent, mais en nous donnant ne fût-ce que des exonérations sur le plan fiscal, sur le plan d'importation d'une série de choses qui permettent l'activité. On vient de prouver que sur le plan social, nous sommes une véritable ASBL ONG et que nous n'avons pas un titre usurpé. Pratiqué de manière ludique, le judo développe des qualités de souplesse, de détente, de puissance, de vitesse, d'équilibre. Il aide à maintenir en bonne santé les muscles, les os, le cœur et les poumons. Au-delà de l'aspect bien-être, le promoteur rêve de sortir des champions. Si ces enfants peuvent un jour représenter la RDC, que ce soit au niveau sous-régional, voire régional, mais c'est avec grande joie. N'oubliez pas que ça ne va pas représenter TVC Médical ni la Fondation, ça va représenter la RDC, ça va représenter la commune de Ngiringiri, ça va représenter la ville de Kinshasa. Et donc espérons vraiment que ça va susciter et j'aimerais inviter les parents ici à Ngiringiri de venir inscrire leurs enfants. Des séances de judo kata suivies de celles d'encadrement ont sanctionné cette cérémonie inaugurale. Dans l'attente de l'accompagnement de l'État, la Fondation TVC Médical rappelle ses quatre objectifs. Créer de l'emploi en RDC, apporter la médecine de qualité, soutenir le social, encadrer via l'éducation.